Échec. Voir si ça fait ça. La tour est clouée. Au tour d'après, je prends, il prend. Je prends Yamat. Donc est-ce que... Échec. Échec. Voilà. 2316, avantage, attaque sur l'aile roi, milieu de jeu, clouage, court problème. Ok. Bon, au moins j'en réussis un temps en temps. Allez, premier objectif, retourner au-dessus des 2300.
Alors là, j'ai une idée. Je prends là, il prend, je fais ça, menace la tour, pour après essayer de faire une fourchette. Pourquoi j'ai pris le fou pour l'empêcher de prendre le cavalier là? Le problème, c'est que il y a plein de moments où il peut ne pas se préoccuper de mon jeu. Si je fais ça, a priori il va me prendre. Bon, tant pis, j'essaye. Mille deux cent dix-huit, avantage, milieu de jeu, court problème. Ok, donc. Ah, j'avais bien vu, c'est bien le coup là. Ah oui, je suis très content. Parce que j'avais vraiment vu. Par contre, je me demandais si c'était le bon coup. Est-ce quand il n'y a pas d'échec, je me pose toujours la question, est-ce que c'est le joueur adverse va se préoccuper de mon coup ou il va faire son truc et je me plante? Okay, donc. Là, il y a échec. 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 Je pense que ça doit être bon, ça.
Donc échec. Alors il a possibilité de se barrer. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait s'il se barre? Ça se passe bien si il mange, mais pas s'il mange pas. S'il bloque, pas s'il se barre. Ah, mais c'est peut-être mieux de prendre avec la dame. Parce que si il se barre, je peux faire ça. Il se barre, je prends la tour. Bon. Si il met la tour ici, je peux mettre ma dame là. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Salut, coucou les champions. Ça va? Est-ce qu'il y a mat possible? Non, les. Oh, moi ça va, ça va. Pas au niveau du bilan parce que je me suis vautré, hein, mais autrement ça va.